J'ai commencé à faire du pain un peu comme ça à la naissance de mon premier fils il y a 9 ans et j'ai directement adoré. Ça a été un flash, quoi. Le fait de toucher la pâte comme ça, il y a un côté hyper apaisant. Et du coup, j'ai décidé de prendre des cours pour devenir boulanger. Qui n'a pas envie d'un bon pain? Et je pense qu'à Bruxelles, il y a un manque à ce niveau-là. Ce que j'aime dans un bon pain, c'est avoir cette croûte. Écoutez-moi, écoutez cette croûte. Ça, on sent, il y a de la vie là. Ici aussi, là, au matcha. Avec un côté un petit peu plus aigre, le matcha. Donc, c'est le thé japonais, vert. Et alors, ici, bah, évidemment, ça, c'est la boule à la bière. On est quand même à Bruxelles, ce serait trop bête de ne pas en profiter. Et voilà, ça, c'est la boule à la bière. Et donc, pour lancer une boulangerie, j'aurais besoin de vous, justement. L'idée, c'est qu'on vient acheter son pain à l'atelier. C'est pas vraiment une boulangerie avec des vitrines. C'est vraiment sans chichi, quoi. On a le four qui sera la pièce principale au centre. Et le spectacle, je m'occupe du spectacle. Mais en plus du spectacle, il y a l'odeur de la cuisson du pain qui est juste dingue, quoi. C'est là que vous allez intervenir. J'aurai besoin de 7000 euros. C'est grâce à ces 7000 euros que j'arriverai à ouvrir ce petit atelier de boulangerie artisanale à Saint-Gilles et pouvoir vous faire profiter d'un bon pain, parce que malgré tout, même s'il commence à rien avoir, ça manque encore à Bruxelles. Donc aidez-moi, 7000 euros, c'est pas énorme, mais ça va m'aider vraiment.